Salut, c'est Cindy, contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, c'est un bilan lecture, je vous parle de 9 romans, en fait, rectification, je vous parle de 8 romans lus et terminés et d'un abandon, malheureusement. Bon, l'abandon, je vous en parle en toute fin de vidéo. Mais commençons tout de suite par les livres lus pendant le mois d'octobre et je vous les présente comme d'habitude dans l'ordre où je les ai lus, tout simplement. Alors, premièrement, j'ai commencé avec un roman jeunesse et j'ai lu « Quand » de Sophie Bienvenue, publié aux éditions de La Courte Échelle. Alors ici, on est avec le personnage d'Anita qui a, d'après moi, elle a à peu près 15 ans. Elle travaille dans un dépanneur et à ce dépanneur, il y a un jeune garçon de son âge qui vient souvent, Kevin, et elle éprouve des sentiments envers lui. Elle le trouve tellement beau. Mais là, ce qui se passe, c'est que Kevin, c'est tout son opposé parce que Anita, c'est une jeune fille réservée, plutôt intellectuelle, alors que Kevin, lui, c'est un bum, un rebelle. Et l'autre problème, c'est que Anita, elle a déjà un chum, donc on va avoir une espèce de triangle amoureux. Mais bon, Anita va commencer quand même à côtoyer Kevin et bon, bref, je vais m'arrêter là. Je vous laisse le découvrir si jamais vous avez envie de le lire. Parce que c'est un roman jeunesse que j'ai franchement trouvé très, très bon. Évidemment, j'ai plus de plaisir à lire des livres pour adultes que des romans jeunesse, mais je voulais donner une note quand même à ce livre pour ce qu'il est, soit un roman jeunesse, et en ce sens, je trouve qu'il mérite 5 étoiles. Vraiment, je l'ai trouvé excellent. Et pourtant, j'étais pas gagnée d'avance parce que au départ, Kevin, je le trouvais pas fin. Et donc, j'avais juste envie de dire à Anita, « Mais voyons, qu'est-ce que tu fais à triper sur ce garçon? Il est même pas gentil! » Et il faut dire aussi que l'espèce de formule « jeune fille intellectuelle qui tombe amoureuse du bad boy », c'est une formule que je suis un petit peu tannée de voir dans les romans, surtout les romans jeunesse et les young adults. Et pourtant, ben, ça a gagné mon cœur finalement, j'ai commencé à aimer le personnage de Kevin et voilà, j'ai beaucoup aimé ça. Et ce qui lui donne une petite touche de plus, je vous dirais, par rapport aux autres romans jeunesse, c'est l'humour de Sophie Bienvenue parce que Anita, elle a souvent des réflexions, des pensées qui me faisaient rire, surtout quand elle est avec ses parents. Ils ont une belle relation, elle adore ses parents, mais évidemment, c'est une adolescente. Donc, ses parents ont souvent des réactions qui la découragent. Et bref, je sais pas, on dirait que je me voyais moi avec mon fils qui a seulement 11 ans, mais il s'en va vers l'adolescence. Et voilà, ça m'a fait rire. J'ai trouvé ça drôle. Et la fin m'a émue. Et là, Sophie Bienvenue, elle a ce don-là, cette autrice, elle vient toujours, je suis toujours émue quand je lis les livres de Sophie Bienvenue. Donc une fin, voilà, qui m'a touchée. Si vous aimez les livres jeunesse ou si vous avez des jeunes dans votre entourage, c'est un livre que je vous recommande. Ensuite, le prochain livre, ben c'est là que je perds toute ma crédibilité. Parce que j'ai lu After de Anna Todd, le tome 3. La chute. Alors ici, ben, on retrouve Tessa et Ardin, on retrouve cette romance entre les deux. Je vous explique après pourquoi je mets des guillemets au mot romance. Mais là, dans ce livre-ci, il va arriver deux choses à Tessa. Premièrement, son père va refaire surface. Donc, son père l'avait abandonné, elle et sa mère, quand elle était toute jeune. Et là, voilà, il revient dans sa vie et il va tenter de réparer les pots cassés. Et deuxième chose, elle va se faire offrir un poste à Seattle qui l'amène à déménager. Et ces deux choses-là, ben, ça fait pas l'affaire de Ardin. Donc, déjà que leur relation amoureuse était plutôt chambranlante, disons que ce ne sera rien pour aider. Bref, on est encore avec Tessa et Ardin qui tentent de vivre ensemble, de s'aimer, mais franchement, c'est pour ça que je mettais « romance » entre guillemets, parce que oui, ils s'aiment profondément, mais ils sont toujours en conflit, ils sont toujours en train de se chicaner, ils ne s'entendent jamais.
Bref, c'est la romance la plus malsaine que j'ai eu à lire dans ma vie. Les personnages les plus irritants que j'ai eu à lire également. Ardain, il est tellement immature, il a tellement des réactions là, immatures, voilà, puis il est colérique, puis tout le temps pour des niaiseries. Bref, il tape franchement sur les nerfs, ces deux personnages. Mais, tu sais, vous voyez, hein, je suis rendue au tome 3, hein, la fille, elle a pas compris. Parce que moi, j'ai lu les tomes 1 et 2, il y a de ça 3 ans, à peu près. Et le premier tome, honnêtement, même si je lui voyais plusieurs défauts, je l'avais aimé. Vraiment, là, j'avais eu du plaisir à lire le tome 1. Et le tome 2, je l'avais détesté parce que, justement, je l'avais trouvé tellement redondant. On était toujours avec Tessa et Ardain qui se laissent, puis qui reprennent, puis qui se laissent, puis qui reprennent. Et bon, j'avais décidé d'arrêter la série. Et là, ben, fouille-moi pourquoi, j'ai vu ce livre à ma bibliothèque et j'ai eu envie de la poursuivre. Et ben voilà, je vous dirais que ça ressemble pas mal au tome 2. Mais en même temps, mon Dieu, c'est bizarre parce que en même temps, j'ai envie de la poursuivre, la série. Je voudrais voir si finalement, ils vont-tu finir par s'entendre, ces deux personnages? Est-ce que ça va bien finir? Je sais pas, c'est un peu comme un plaisir coupable, un peu comme la drogue, hein? Tu le sais que c'est pas bon pour toi, mais t'as le goût de continuer quand même. C'est un peu ça pour moi, After, donc voilà. Je sais pas quoi vous dire d'autre, il y a un côté de moi qui sait que c'est mauvais, mais un autre côté de moi qui éprouve un certain plaisir à le lire. Donc voilà. Voilà. Ensuite, le prochain livre, ben là on s'en va complètement ailleurs. C'est un livre que j'ai eu le grand bonheur de lire en lecture commune avec Sylvain Démenti, Maps Booktube et Sous le ciel, donc trois booktubeurs québécois. Je vous mets leur chaîne en barre d'infos, c'était vraiment très plaisant de faire ça avec eux. Et donc j'ai lu Cimetière de Stephen King, publié chez Albin Michel. Alors ici on est avec la famille Creed, Louis Creed, sa femme et leurs deux enfants qui vont déménager dans le Maine alors qu'ils venaient de Chicago. Et là, Louis va développer une belle histoire d'amitié avec son vieux voisin Jude Grendel et Jude va amener Louis et sa petite famille à découvrir un sentier qui les mène, un sentier qui est derrière leur nouvelle maison, qui les mène à un cimetière d'animaux. Donc, hein, une petite ambiance un peu frissonnante. Et là, ce n'est que plusieurs jours plus tard que Jude Grendel va emmener Louis un peu beaucoup plus loin que ce fameux cimetière d'animaux. Et là, c'est là que Louis va enterrer son chat. Donc, le chat que sa fille aimait tant. Et suite à ça, le chat va revenir à la vie, mais pas dans les mêmes conditions qu'il l'était auparavant. Là, j'ai pas envie de vous en dire plus parce qu'il va arriver plein d'autres choses et moi, je ne savais absolument pas ce qui allait arriver et c'était... Et bref, c'est ça, je veux vous laisser le découvrir. Mon Dieu, j'ai commis une absence pendant un moment. C'est que je veux pas vous en dire plus, voilà. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Comme à chaque fois, Stephen King, oui, il y a une histoire d'épouvante, mais ce n'est tellement pas que ça. Parce que oui, dans ce livre, il exploite des thématiques et ce, avec tellement de justesse, comme il fait à chaque fois. Moi, il m'impressionne, Stephen King. Alors ici, on va traiter du deuil, on va traiter de la mort qui n'est pas perçue de la même manière chez tous les personnages, et bien dans la vie, hein, il y en a qui en ont peur, il y en a qui au contraire l'attendent avec impatience, il y en a pour qui ça fait ni chaud ni froid. Bref, hein, on ne perçoit pas la mort tous de la même manière et on traite de ça dans ce livre. On parle aussi de la vie qui est tellement fragile, qui peut basculer à tout moment. Bref, c'est un livre, moi, qui m'a beaucoup plus attristée qu'il m'a fait peur. Honnêtement, là, vraiment, ce livre est triste. Et non pas épeurant. Ben, en tout cas, moi. Ouais. Là, je vous dis ça, moi, je suis quelqu'un qui n'a pas vraiment peur quand je lis les livres, honnêtement. Et pourtant, je suis une peureuse d'envie. Mais quand je lis un livre, j'ai jamais eu vraiment peur en lisant un livre. Tu sais, j'ai pas le souvenir d'un livre qui m'a empêché de dormir. Donc, oui, il y a une ambiance frissonnante, là, évidemment. Mais comme je vous dis, c'est plus les thématiques qui sont fortes. Et ça, je vous le répète à chaque fois que je lis Stephen King. Mais moi,
ce que j'adore de cet auteur, c'est qu'il arrive à créer des personnages qui deviennent tellement vivants. Je sais pas comment il fait. Moi, j'ai toujours cette sensation de les connaître, les personnages, d'être là avec eux. Et c'est pour ça que pour moi, ça fonctionne toujours tellement bien, les livres de Stephen King. Et celui-là, ben, c'en est un qui est franchement réussi, à mon avis. Le pourquoi je n'ai pas donné 5 étoiles à ce livre, mais plutôt 4 étoiles, c'est que j'ai quand même un petit bémol. C'est-à-dire que, encore une fois, là, ça va peut-être être flou, étant donné que je ne veux pas rien vous révéler. Mais il va y avoir des réactions, ou plutôt des trucs que vont faire Louis et Jude, que même si oui, je comprenais qu'il y avait un petit côté fantastique à tout ça, qui allait expliquer leurs réactions, leurs décisions, mais en même temps, ça m'a un peu agacée parce que je me disais, mais voyons, je peux pas croire que tu vas faire ça, sachant les conséquences, et ça m'a comme un peu titillé, ça m'a un peu agacé. Et c'est ce qui fait que je ne vous parle pas d'un coup de cœur aujourd'hui, mais quand même d'une très bonne lecture. Maintenant, le prochain livre, c'est un, je dirais un thriller d'action. Et c'est Bullet Train de Kotaro Isaka, publié aux éditions Les Princes de la Cité. Alors ici, on est avec le personnage de Kimura qui s'apprête à monter dans le Shinkansen, qui est en fait le train à grande vitesse japonais. Et là, il veut aller tuer dans ce train un jeune collégien qui est responsable de l'accident de son fils. Mais là, ce qui va se passer, c'est que Kimura et ce jeune collégien ne sont pas les deux seuls gangsters présents dans ce train grande vitesse. Il va aussi en avoir 3 autres. Et il va aussi avoir mélangé à tout ça une valise remplie d'argent. Et là, ce que je peux vous dire, ben, c'est que nos 5 personnages vont avoir à se croiser. Ouais, je peux vous le dire, les 5 ne resteront pas vivants jusqu'à la toute fin du parcours de ce train. Mais là, je vous dis pas qui va survivre, qui va mourir. Ça, je vous laisse le découvrir, évidemment. Alors, bon, commençons par le point positif de ce livre. J'ai beaucoup aimé les personnages, parce que nos 5 gangsters ont tous une personnalité très particulière. Ils ont tous des caractéristiques spéciales qui les rendent plutôt comiques. Et oui, il y a une espèce d'humour noir à travers ces personnages que j'ai bien aimé. Malheureusement, par contre, j'ai trouvé que, my God, que j'ai trouvé que c'était long, que c'était lent. D'ailleurs, ça m'a tellement pris de temps avant d'embarquer dans l'histoire. Je vous dirais, pendant la première moitié du livre, là, je trouvais qu'il se passait pas grand-chose parce qu'il y a une longue mise en place. T'sais, on nous présente les personnages, d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils vont faire dans ce train, qu'est-ce que cette valise remplie d'argent. Et moi, j'avais hâte qu'il finisse par se passer quelque chose, mon Dieu! Et finalement, quand ça finit, quand finalement nos personnages vont commencer à se croiser, c'est là que l'action va démarrer. Et là, je vous dirais que ça a commencé à être bon, mais sans plus. Tu sais, j'avais pas envie de l'abandonner, tu sais, j'avais quand même cette intrigue de savoir comment ça allait se terminer. Mais c'est comme s'il m'avait manqué un petit quelque chose là, pour que ça lève, là, tu sais, pour que ça devienne palpitant. Et donc, bref, c'est un livre que j'ai lu avec très peu d'entrain. Très peu d'entrain. Voilà, pour Bullet Train. Le prochain livre, ben, ouais, j'ai le regret de vous dire que c'est aussi une très grosse déception. Bernadette a disparu de Maria Semple, publié aux éditions 10-18. Faut dire que c'est une déception parce que j'avais beaucoup d'attentes. Beaucoup d'attentes parce que j'avais commencé à voir le film, moi, Bernadette a disparu. Et je l'avais tout de suite arrêté parce que j'étais tout de suite tombée en amour avec le personnage de Bernadette et je m'étais dit « Oh my God, c'est trop mon genre de livre ça, je veux lire le livre avant de voir le film. » Et en effet, je vous ai pas dit l'histoire, je vais commencer par l'histoire. Bernadette, c'est une femme, elle était une architecte de grand renom, mais elle va laisser tomber sa carrière d'architecte et d'ailleurs on va un peu nous expliquer pourquoi à travers le livre.
Et Bernadette, c'est aussi une femme un peu névrosée, très très anxieuse, j'allais dire un peu dépressée, ouais, ça je suis pas sûre, mais en tout cas, elle déteste les gens, elle aime pas être entourée de gens, elle aime être seule dans sa bulle. Elle a aussi un mari qui est assez fortuné, qui travaille chez Microsoft. Et elle a une jeune fille, Bi, qui elle, 15 ans, elle a 15 ans, elle a une très belle relation avec sa fille. Et là, Bernadette va disparaître. Et là, justement, un peu à travers les yeux de Bi, on va apprendre à connaître qu'est-ce qui s'est passé dans les jours qui ont précédé sa disparition. Et on va aussi un peu aller dans son passé pour apprendre à connaître cette fameuse Bernadette. Donc maintenant, si je reviens à mon avis, en effet, j'ai beaucoup, beaucoup aimé ce personnage de Bernadette, mais il y en a tellement pas assez. Il y en a tellement pas assez dans ce livre parce qu'on va passer beaucoup de temps avec les autres personnages, surtout ces deux autres mamans qui échangent des courriels. Oui, ces deux mamans ont un lien avec Bernadette, elles ont un lien avec sa disparition, donc... C'est pas qu'elle n'avait, je vous dis pas qu'elle n'avait pas rapport dans l'histoire, mais elle ne m'intéressait tellement pas. Moi, je voulais être avec Bernadette! Donc, c'est pour ça que ça me tend déçu, et ouais, pas juste ça. C'est que ce roman, je ne le savais pas, mais il est écrit en grande partie de manière épistolaire. Donc, on lit les échanges de courriels, justement, entre ces deux femmes. Et moi, là, ce livre a confirmé que le genre épistolaire... J'aime tellement pas ça. Ça m'emmerde, moi, lire des lettres, lire des courriels. J'aime pas ça. Donc ça aussi, ça explique le fait que je n'ai pas vraiment aimé ce livre. Évidemment, si vous, vous aimez le genre épistolaire, ben, je pense que ce livre pourrait vous plaire. Mais pour moi, ça a été une déception, malheureusement. Mais ensuite, je suis allée voir le film. Et j'ai adoré le film. Justement, dans le film, j'avais ce... On est avec Bernadette. Le truc qui m'a manqué dans ce livre-là, je l'ai retrouvé avec le film. Pourtant, c'est très... L'histoire est très semblable. Même est très bien... c'est presque pareil. Mais on a vraiment plus la sensation d'être avec Bernadette. Donc voilà, j'ai adoré le film. Le prochain livre que j'ai lu, c'est aussi une déception, mais inquiétez-vous pas, tout de suite après, il y a un gros coup de cœur. Restez là! Donc, la prochaine déception, c'est Chocolat. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a sur mon livre? Chocolat de Joanne Harris, publié aux éditions Libre Expression. Alors, l'histoire de ce livre, on est avec le personnage de Viane, ainsi que sa fille, qui vont... aménagé dans un petit village du sud-ouest de la France, et Viane va y ouvrir dans ce village une chocolaterie. Mais là, je sais pas ça se passe dans quelle année, mais on comprend en tout cas que c'est des années où la religion prend encore beaucoup de place, parce que le prêtre de ce village n'est vraiment pas content de la venue de Viane, parce qu'il trouve qu'elle représente le péché. Et c'est une femme très libre qui, justement, ne va pas à la messe, qui n'est absolument pas... la religion n'est pas présente dans sa vie, donc, déjà en partant, rien pour charmer ce fameux prêtre. Et il a peur, ce prêtre, donc, que Viane ait de l'influence sur ses paroissiens, sur les habitants de ce village. Alors, je dis déception... Je veux pas non plus détester ce livre. Je trouvais les personnages plutôt attachants, mais je trouvais aussi qu'il manquait un peu de nuance. C'est-à-dire que les méchants sont juste méchants, les gentils sont juste gentils. Et moi, j'aime quand les personnages ont des nuances de gris, là, tu sais. Je pense pas que c'est vrai dans la vie que des gens sont juste méchants ou juste gentils. Tu sais, on a d'habitude des zones un peu grises. Bon, je dis ça. Peut-être que ça se peut, mais bref, voilà, je trouvais qu'il manquait un petit peu de nuance avec les personnages. Ensuite, on va un peu nous raconter l'histoire des personnages secondaires, c'est-à-dire ces fameux clients réguliers qui viennent à la chocolaterie. Et c'était de jolies histoires que j'aimais bien suivre, mais il me manquait une bonne histoire principale, tu sais. C'est-à-dire que oui, on va un peu apprendre...
En fait, on va passer d'un chapitre à l'autre. Il y a des chapitres où on est avec Vianne et d'autres chapitres où on est avec ce prêtre. Et dans les deux cas, on comprend qu'il y a plusieurs mystères entourant leur passé. Mais honnêtement, c'était pas si captivant. Puis je trouvais que tout le long du livre, on nous ramène toujours que oui, il y a des mystères entourant leur passé. Mais moi, à un moment donné, je me disais, ouais, mais là, à voix et révèle-nous-les, qu'on en finisse avec ça. Tu sais, j'avais trouvé que c'était un petit peu redondant. Et donc voilà, un livre plutôt doudou, qui est agréable à lire, mais sans plus. Tu sais, il m'a vraiment manqué un petit quelque chose de captivant à ce livre. Voilà. Alors là, on en arrive à mon coup de cœur de la sélection d'aujourd'hui. Shutter Island de Denis Lehane, publié chez Rivage Thriller. Oh my god, c'est un des livres les plus intrigants que j'ai eu à lire dans ma vie. J'ai tellement aimé ça. On est avec le personnage de Teddy Daniels qui s'en va avec son collègue Chuck. Donc ces deux, on les appelle des Marshalls. Ben c'est des policiers là. Et les deux s'en vont sur l'île de Shutter Island où il y a un hôpital psychiatrique avec des patients très très dangereux, donc des patients qui ont commis des crimes horribles. Et là, il y a une des patientes de cet hôpital qui a disparu. Et donc nos deux policiers, Teddy et Chuck, vont enquêter pour tenter de comprendre qu'est-ce qui s'est passé avec cette fameuse patiente, parce que c'est dur à croire, là. Elle est dans une cellule barrée de l'intérieur et de l'extérieur, donc comment elle a pu s'enfuir? Ben voilà, ça fait partie de l'intrigue, et ça c'est le genre de livre, plus on avance et plus on est mêlé, mais mêlé le fun, tu sais, moi j'aime pas quand je suis mêlée puis je comprends plus rien, c'est pas mêlé comme ça, là. C'est mêlé mystérieux, intriguant, tu veux toujours en savoir plus, tu veux arriver à la fin pour comprendre, mais voyons qu'est-ce qui est arrivé avec cette patiente et avec tous les autres mystères qui vont se rattacher à l'histoire. Ah, que c'était captivant ce livre-là! C'est vraiment le genre de livre que j'avais de la difficulté à déposer, j'avais toujours envie de le poursuivre. Il y a peut-être une petite affaire, mais c'est quand même un 5 étoiles, c'est quand même un coup de cœur ce livre, mais j'avoue que la fin, c'est un peu gros. Est-ce que c'était 100% réaliste? Je sais pas trop, j'en ai parlé avec un collègue avec qui je travaille, puis il me disait, ouais Cindy, oui c'est réaliste parce que ça se passe dans les années 50, et bon bref, ouais c'est ça, je peux pas trop élaborer sur la fin parce que je vous priverais d'un méchant beau plaisir, parce que oui, c'est peut-être un peu gros la fin, mais mon Dieu, qu'elle est satisfaisante! Elle rentre dedans en tabarnouche, là, voilà, j'avais hâte de m'extasier devant un livre, devant vous, mais ça me fait longtemps que j'ai pas autant trippé sur un livre, et j'avais hâte de vous le partager. C'est vraiment un très très bon livre. Si vous aimez les page-turners, là, ah, ça, c'en est un! Le prochain livre, Appelle-moi par ton nom, écrit par André Assimane et publié aux éditions Grasset. Ce livre, on est avec le personnage de Elio qui a 17 ans. Il habite en Italie et ses parents accueillent pendant tout l'été un jeune homme, Oliver, de 24 ans, qui est en fait un professeur de philosophie, si je ne me trompe pas, oui, un jeune professeur de philosophie. Et Elio va devenir carrément obsédé par ce jeune homme. Il va devenir fou de désir pour lui. Et je pense pas rien vous spoiler en vous disant que oui, il va finir par avoir une belle romance entre ces deux hommes, mais une romance de très courte durée, le temps d'un été seulement. Alors, c'est un livre, j'ai de la difficulté à vous donner mon avis. J'ai d'ailleurs eu beaucoup de misère à lui donner une note sur Goodreads, parce que j'ai un avis plutôt mitigé. Il y a un côté de moi qui a beaucoup aimé ça, qui a trouvé ça incroyablement beau. Et il y a un autre côté de moi qui s'est aussi beaucoup ennuyé, surtout dans la première moitié du livre, parce que, tu sais, je vous dis que oui, il va y avoir une romance, mais c'est vraiment long avant que ça finisse par arriver.
La première moitié du livre, on est vraiment plus dans une histoire de désir, de désir refoulé, avec un mélange d'interdit à tout ça. Donc, on est avec deux personnages qui jouent un peu l'indifférence, mais en même temps, on sent que les deux sont attirés l'un vers l'autre. Mais tu sais, c'est tellement lent. Il se passe tellement rien. Et donc, honnêtement, je m'ennuyais un peu. Puis là, ben, c'est sûr que vous allez vous reconnaître comme lecteur, mais moi, dans mes goûts de lectrice, je me disais, oh my god, que je prendrais des dialogues, des scènes entre nos deux personnages, ou à limite, en savoir un peu sur nos deux personnages, leur passé, etc. Mais non, on nous décrit vraiment une longue histoire de désir, de sentiments qui s'installent, mais très lentement. Mais là, quand finit par arriver cette fameuse nuit où il va se passer quelque chose entre nos deux personnages, ah ben là, tout d'un coup, j'ai commencé à aimer ça parce que vraiment, ça m'emmenait complètement ailleurs de toutes les autres romances que j'ai pu lire. D'ailleurs, moi, je me disais, quand ça finit par enfin se produire entre les deux, je me disais, my God, Elio va être tellement heureux, va être tellement content que ça se produise enfin. Mais non, le lendemain, au contraire, il va éprouver la honte, le regret. Et bref, ça m'amenait dans des émotions, dans des sentiments que je n'avais jamais lus avant dans les romances. Faut dire que, bon, c'est une romance homosexuelle, j'en ai pas lu des tonnes dans ma vie. J'en ai lu, bon, d'après moi, on peut les compter sur les 5 doigts de la main. Et c'est la première fois j'aimais qu'on nous donnait... quand même assez de détails. J'aimais que l'auteur, il n'y a pas de pudeur ou de retenue dans l'écriture de l'auteur, et ça, j'ai aimé ça. C'est pas explicite non plus, tu sais, mais vraiment, c'est quand même, et c'est un petit peu surprenant du fait que ça a été écrit en 2007, parce que, bon, ça fait seulement 15 ans, mais les romances LGBTQ+ ont beaucoup évolué dans les dernières années. Donc quand même, j'étais surprise qu'on y aille avec aussi autant de détails. Là, je vous dis ça, il n'y en a pas tant que ça non plus, mais en tout cas, vous allez le comprendre si vous lisez le livre. Mais voilà, moi j'ai trouvé ça super beau comme histoire, vraiment bien écrit, les émotions passent totalement. Mais voilà, je vous mentirais si je vous disais pas que... je dois dire que je me suis quand même pas mal ennuyée durant la moitié du livre. Donc, je vous le dis, là, c'est un livre, c'est très très lent, très 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 lent, ça s'installe très tranquillement. Mais je sais qu'il y a des amateurs de ce genre de livre, et à vous, je vous le recommande franchement fortement. Et moi, quand même, là, de manière, j'ai quand même fermé le livre en me disant, ouais, c'était bon ce livre, franchement. Et finalement, bon, on termine par mon abandon. Et oui, j'ai abandonné « Le cœur ne cède pas » de Grégoire Bouillet. Ici, l'auteur nous raconte un fait divers. En fait, il se met à enquêter sur un fait divers qui l'obsède carrément depuis plusieurs années. C'est une femme en 1985 qui s'est laissée mourir de faim. Ça a pris environ 45 jours et pendant ces 45 jours, elle a tenu un journal de bord où elle décrivait sa lente agonie. Ça a tellement piqué ma curiosité, une curiosité peut-être un peu malsaine, hein? Mais vraiment, j'avais tellement envie de lire ce livre. Le problème, qui ne sera pas un problème pour tout le monde, là, mais moi personnellement, j'ai dû lire à peu près 300 pages. Et sur ces 300 pages, il y a peut-être... 10% qui touche vraiment à ce fait divers en question, parce que, mon Dieu, que c'est mélangé ce livre-là. L'auteur nous raconte, oui, un peu ce fait divers, mais à chaque fois qu'il découvre un nouvel élément ou à chaque nouvelle hypothèse, parce que c'est souvent des hypothèses, donc, peut-être qu'elle a fait ça pour ça, peut-être que si, peut-être que ça. Et là, il part dans plein d'autres sujets, ça va l'amener à raconter des trucs sur sa propre vie, ça va l'amener, oui, je me souviens, en telle année, mon père avait fait ci, avait fait ça. Des fois, ça va l'amener à parler de sujets d'actualité, à donner son avis sur divers sujets. Des fois, il nous raconte des éléments historiques. Bref, il élabore sur
plein d'autres affaires. Et oh mon Dieu, c'était tellement pas pour moi parce que ce livre finalement ressemble plus à un essai mélangé à un récit, mélangé à un article de journal. Bref, on part dans plein de directions. Je pense que ce livre, d'ailleurs, il est en nomination pour plein de prix prestigieux de l'automne. Mais je pense vraiment que c'est un livre destiné à un très petit lectorat. Vraiment, là. Mais par contre, ceux qui aiment ce genre de livre, vous allez triper. C'est très bien écrit, c'est très intelligent. J'ai rien à dire là-dessus, mais moi, c'était pas pour moi. Je m'ennuyais vraiment à mourir, puis j'étais pas capable de me rendre. Hey, ce livre-là fait plus de 900 pages. C'était au-delà de mes forces. Voilà. Donc, ça complète mon bilan lecture du mois d'octobre. Moi, je vous reviens dans 2 semaines avec, évidemment, une vidéo qui... en fait, il y a une abonnée qui est venue me donner une petite idée de vidéo. Et j'ai trouvé ça le fun, et voilà, sûrement que je vais vous revenir avec ça dans 2 semaines. D'ailleurs, si vous en avez des idées, des fois, de vidéos que vous aimeriez voir sur ma chaîne, n'hésitez pas à venir me le dire. Voilà, merci d'avoir été là, et si ce genre de contenu vous intéresse, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, ça fait toujours plaisir. Et donc, on se retrouve dans 2 semaines. Bye!